C'est le cas de le dire. En quelle année il est mort, Lucèze? Ce n'est pas une réponse, ça. Louis XVI a été décapité en 1793. Léo est en 1774. C'est-à-dire presque 20 ans avant, il a renvoyé successivement sur deux Pinecker. Qui préconisait Barrier. Blic. C'est comme ça que tu apprends tes leçons. Je vais te dire, moi, comment on apprend une leçon. On la lit deux ou trois fois à voix haute, puis tout bas. Ensuite, on cache et on s'exerce à réciter ligne après ligne, surnommé le bien-aimé. Louis XV ne le sera guère longtemps. Non, plus, hein. Non, ça va être l'ampoule, t'as pas des ampoules de rechange ici? T'as pas d'ampoules de rechange, et toi, t'as pas ici le magasin d'électricité? Oh, s'il te plaît, moi j'ai eu les Américains depuis 8h ce matin, les mails toutes les 2 minutes et le téléphone qui n'a pas arrêté de sonner, qui je dois en plus m'occuper des ampoules, quoi. Et moi, tu crois que je m'amuse toute la journée, j'ai galopé. Le supermarché, la lessive, ta mère, tu m'as tenu une demi-heure au téléphone alors que je devais emmener la petite chez d'un coup. Celui-là, là, qui n'est même pas capable d'apprendre. Stop, on arrête là, on se tait. Est-ce que c'est comme ça qu'on se parle pour se retrouver le soir à la maison? Mon papa, tu reprends ton cartable des blés et tu le remets ton infirmière. Et moi, je fais quoi? Toi, quand tu vois papa arriver, tu lui dis bonsoir mon chéri, t'es fatigué? Si, mais je suis si heureux quand je te retrouve. Maintenant, tu prends ton cartable, tes clés là, et tu mets ton infirmière sur le bon moment. Tu vois que l'ampoule ne marche pas. Qu'est-ce que tu dis? Non, sûrement pas. Dis plutôt, oh, quelle chance ma chérie, l'ampoule est grillée, nous allons chercher la chandelle. Ah non, sûrement pas ça. Allez, salut.